Io vi chiedo di identificare e di castigare. Et le président cette année sera italien, le réalisateur Paolo Sorrentino qui signait en 2008 l'une de ses œuvres majeures. Il Divo, l'histoire de Giulio Andreotti au pouvoir depuis 4 décennies, impénétrable, indéboulonnable, jusqu'à ce que la mafia ne s'attaque à lui. En 2013, Paolo Sorrentino continue sur la route du succès avec son acteur fétiche, Tony Servillo, pour La Grande Bellezza, un séducteur écrivain à bout de souffle, paralysé face à la beauté de sa ville, Rome. C'est la mienne. Io ho scritto un solo romanzo 40 anni fa che non si trova neppure nelle librerie. Ma che cazzo dici? Che era un capolavoro. La Grande Bellezza va décrocher l'Oscar du meilleur film international, ouvrant les portes de Hollywood à Paolo Sorrentino qui signe alors Youth, Jeunesse, avec deux monstres du cinéma international, Harvey Keitel, Michael Caine, deux vieux amis, face à la vieillesse et surtout à la recherche de la beauté. Voilà ce que nous disait le réalisateur. Le film s'appelle Youth, même si ce sont des personnages vieux, parce que je voulais comprendre aussi si les vieux pouvaient vivre une dimension de jeunesse. Mon idée de la beauté ne correspond pas à ce qu'on entend généralement par la beauté. Pour moi, la beauté tient dans l'erreur et donc j'essaye de mettre en scène des erreurs. Cette année, Paolo Sorrentino sera donc le président du Festival de Marrakech, 19e édition. Il est déjà venu à Marrakech, c'était en 2013, il faisait alors partie du jury. Voilà ce qu'il disait alors et pourquoi il faisait des films. Thank you to my sources of inspiration, Federico Fellini, Talking Heads, Martin Scorsese and Diego Armando Maradona. Pas besoin de traduction, vous l'avez entendu, Martin Scorsese, l'un de ses maîtres de cinéma, et justement le Festival de Marrakech lui a donné l'occasion de le rencontrer. Voilà ce qu'il dit dans sa déclaration officielle de président du festival. Marrakech, c'est le lieu où j'ai réalisé mon rêve, regarder de nombreux films avec Martin Scorsese, passer des journées entières à parler de cinéma avec lui et avec d'autres collègues si talentueux, revenir cette année en tant que président du jury est tout simplement un honneur. C'est la mia vita.